Yo les gars, on se retrouve aujourd'hui pour le premier jour du Festival de Doubs pour sa 30e édition. Et tant que vous avez de l'argent dans les poches, et ben on se demande ben, comment vous faites pour le garder? Comment vous faites pour économiser en festival? Parce qu'on sait que ça suce le sang quoi. Bon, on va aller voir. C'est quoi votre conseil pour économiser en festival? Demande à tes potes de payer. Économiser, ouh, ça n'existe pas. Se mettre bien avant quoi, au camping ou en dehors. Ou en dehors. Moi je claque tout, je suis venu là, je claque tout. On vient ici, on a envie de boire et on a envie de manger aussi. C'est bien de manger quand même et ben voilà, non on peut pas. C'est un peu cher. On ne vient pas au festival pour économiser de l'argent, ouais. Je prends juste 50 balles et je me dis voilà, ça doit faire 5 jours. On fait du troc. On prend et on rend après. Ça c'est le tour et... On est en bénévole, on paye pas, du coup je pense qu'on se met le budget de la place comme budget pour manger. Boire. Il y a toujours des potes qui ont tout ce qu'il faut, donc parfois faut compter sur eux et puis c'est tout. Les douches c'est payant, tu prends peu de douches. Vous savez qu'on est disqualifié, hein? Ouais, ok. Prends quoi comme budget à peu près quand tu pars en fest? Pas moi, 60, 70, 100 euros. Ça dépend si on compte la drogue ou pas dedans. Donc. Se droguer c'est mal, il ne faut pas vous droguer. J'ai travaillé depuis septembre et j'ai mis 600 euros de côté, bah du coup j'ai tout liquidé. Prendre des pâtes. Et des carapils. Alors les gars, sur ces meilleurs des pires conseils, c'est déjà l'heure de se quitter malheureusement, mais on se retrouve demain. Et si toi aussi t'as des conseils à me proposer pour passer un festival à moindre prix, n'hésite pas à les mettre en commentaire. Sur ce, je vais déjà faire un petit selfie, hein, le selfie de base devant le Doubs. Bisous.